Tenenbaum. Il m'arrive d'éprouver de la compassion pour cette pauvre petite chose. Quel manque d'inspiration! Elle se contente de rester là, bien sagement, avec ses réservoirs d'attente, à régler ceci, améliorer cela. Pour ma part, je dois créer. En matière de manipulation génétique, voyez-vous, la dent est une toile vierge et les plasmides, des tubes de peinture. Love is happiness, I've had happiness. Ah, oh, but it ended one day. I look at life. When skies are cloudy and gray, they're only gray for a day. So wrap your troubles in dreams and dream your troubles away. Until that sunshine peeks. There's only one thing to do. Mon frère est dans... And dream your troubles away. Castles may tumble. That's fate after all. Life's really funny that way. No use to grumble. Islands may fall. Il y a quelqu'un? Non! Thank you.
Vous êtes malade! Vous êtes infecté! Aujourd'hui, j'ai déjeuné avec ma déesse, Steinmann, ma tête. Je suis venu vous affranchir de la servitude de la médiocrité. Je suis venu vous montrer une nouvelle forme de beauté. De quelle beauté s'agit-il, déesse ? Lui ai-je demandé. La symétrie, mon bon Steinmann. Il est temps de faire quelque chose pour la symétrie. Thank you.
puissante comme un scalpel. Elle m'appelle. Steinmann, Steinmann, ce que vous cherchez, je peux vous le donner. Il vous suffit d'ouvrir les yeux. Et lorsque je la vois, elle me découpe en milliers de splendides morceaux de chair. Fil de soie 4-0, et voilà. Le nez est magnifique, Dr. Steinmann. Docteur? Vous savez, maintenant que je la regarde, je n'avais pas vu que son visage s'est... Scalpel. Pardon? Scalpel. Docteur, elle n'est pas venue pour un film. Voyons, par où vais-je commencer? Docteur, arrêtez. Docteur! Docteur, je vous en prie! Allez me chercher le chirurgien en chef! Je veux voir le chirurgien en chef tout de suite!
C'est une petite sœur. C'est l'occasion pour vous d'obtenir un peu d'adam. Du calme, docteur. Il ne fait que chercher un peu d'adam. Juste de quoi tenir le coup. Je ne le laisserai pas faire de mal à mes petites protégées. Tout va bien, l'ami. Ce n'est plus une petite fille. Plus comme avant. Le docteur Tenenbaum s'est occupé d'elle. Peter, ne lui fais pas de mal. N'as-tu donc pas de cœur? Pas de cœur? Voyez-vous ça? Et c'est le monstre qui a créé ces infâmes machines inhumaines qui nous dit ça? C'est vous qui avez pris de jolies fillettes pour les transformer ainsi. Écoutez-moi bien. Vous ne survivrez pas sans l'adam que ces choses transportent. Voulez-vous vraiment mettre votre vie, celle de ma femme et de mes enfants dans la balance, pour épargner les monstres inventés par Tenenbaum? Il y a un autre moyen. Utilise ceci. Libère-les de leur souffrance. Je trouverai un moyen de te dédommager. La voie du juste est semée d'embûches, mais la récompense viendra en son temps. Sois patient. Je veux aller au dodo, monsieur. Tenenbaum vous fait marcher. Ces créatures ressemblent à des fillettes inoffensives, mais ne vous fiez pas aux apparences. Vous devez récupérer le plus d'adam possible. C'est une question de survie. Si vous croisez à nouveau le chemin d'un jardin des glaneuses, tâchez d'attirer un coup d'œil. Si le prix reste en face. Non seulement ces fillettes sont de véritables usines d'adam, mais en plus, elles sont pratiquement invincibles. Elles régénèrent les chairs blessées avec des cellules souches tirées des tissus morts. Cependant, leur relation avec les limaces implantées est symbiotique. Car si on prélève la limace, voyez-vous, l'hôte meurt. Tenenbaum dit que ce n'est pas tuer, mais plutôt soulager un patient en phase terminale. Ça pleut, monsieur. Ça pleut.
Merci, monsieur. Merci. Faut faire dodo, petit ange. Je crois que tu as besoin d'un remontant. Je ne me sens pas très bien, j'ai la tête qui tourne, j'ai envie de vomir. Parfois, je vois quelque chose qui n'existe pas. Aidez-moi, n'approchez pas de mes patients. À présent, dirigez-vous vers Portneuf. J'ai hâte de vous serrer la main.